Salut à tous et à toutes et à ceux qui pourraient revoir le stream, le rewind, le machin, j'ai perdu mon mot, super, il est déjà 23h11 et j'ai déjà perdu tout mon latin. Bref, alors, pour ce soir, quel est le programme? En fait, on a eu un problème au dernier live, réellement. C'est pas vraiment un problème. Comme dirait Hulor, ce n'est que la première fois que ça arrive. Mais on va devoir revoir complètement le système d'équilibrage. Enfin, complètement. Disons que
Ce soir, on va vraiment en parler. On va proposer un truc, plus qu'autre chose. On va proposer une alternative. D'accord? Et on va revenir en fait à la base même du JDR. Enfin, du moins de ce pourquoi en fait on s'inspire pour ce jeu. Donc, c'est-à-dire la création de perso. Parce que depuis qu'on crée les persos comme ça en live. Il y a quand même toujours ce problème-là qui revient. Quand même, on s'imagine un peu le background de ce héros, alors qu'en vrai, il y aura pratiquement R sur la carte. Il n'y aura pas tant de choses que ça qui sera dit sur lui. Mais bref, il y aura toujours cette espèce de revenu là-dessus, de qui c'est, d'où il vient, machin et tout. Sauf que quand on a vu en détail au niveau des stats, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que, en fait, les héros étaient pas. Enfin, du moins leurs spells et leurs attaques n'étaient pas hyper bien condensés. Surtout le système des 30 points qu'on a mis en avant. Donc dans un premier temps, on va juste faire un rappel vite fait de ce que c'était l'ancien système, dans les grandes lignes. Et on va voir en fait les sources dont ce quoi on s'est inspiré et proposer une nouvelle chose. Cette chose-là sera entièrement basée, enfin pas très, vraiment entièrement, mais sera grandement basée sur. Les classes de personnages. Les classes de personnages qui vont pas jouer un grand rôle pour les joueurs en jeu. Ce sera plus du goodies pour dire à peu près le background du personnage sans vraiment l'écrire entièrement. Mais en tout cas, on va se baser là-dessus pour leur donner des stats plus intéressantes et voir bah, que ce soit moins le bordel en fait. Que les gens se disent pas en mode genre, bah en vrai, la différence entre le guerrier et le mage, là, je la vois pas des masses. Parce que même au niveau des dégâts, à la rigueur, je préfère partir full guerrier, donc c'est-à-dire full tank, à peu près. Parce que même jamais ils font un peu moins de dégâts, mais en tout cas, au moins, je suis sûr qu'ils vont pas mourir en un coup, quoi. Et c'est ce qu'on veut éviter. C'est ce qu'on veut vraiment éviter. Donc du coup, il va falloir revenir aux bases. Donc on va tout refaire. Ouais, on va faire la technique de la terre brûlée, en quelque sorte. Et on va repartir du coup sur de très bonnes bases. Donc. Cette intro est beaucoup trop longue. Ça doit emmerder tous ceux qui doivent être en train de voir le replay sur Twitch ou sur YouTube. Donc, sans plus tarder, on va directement y aller. Alors, non, bon, ça c'est la base, on verra ça après. Voilà, donc, ça c'est le main dish. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'était notre premier. C'était notre première, on va dire, réelle tentative d'un template d'équilibrage. Avant la catastrophe. Et ben on va réécrire de tout ça, vraiment. Parce que comme on peut voir en gros, chaque héros commençait en fait avec un système de points, c'est-à-dire 30 points. Là, juste ici. Et le truc des 30 points, en fait, bah avec ces 30 points, il fallait du coup qu'on attribue leur PV et leurs dégâts, machin et tout. Et il y avait tout ça. Salut Laure! Bonsoir. Ça va? Ça, et toi? Ça va, ça va. Du coup, je remettais en place ce qu'on avait fait avant. Yes. Et ce qui allait changer. Mais déjà, un petit rapide retour en fait sur l'ancien système de création de perso. Et pourquoi on va le changer. Donc du coup, ouais, donc il y avait toujours cette histoire des 30 points. Avec les 30 points, en gros, il y avait tous les spells, en gros, où on leur donnait une espèce d'échelle de valeur. Et plus le spell était puissant, plus on enlevait des points là sur les 30 points. Et à la fin, en gros, ça leur faisait leurs points de dégâts et leurs points de vie. Bon. Ça, c'était l'ancien système, c'était LOL MDR. D'ailleurs, on a eu la preuve, en gros, où on a rectifié un héros, Squamatus le Vert, qui a été un des premiers héros qu'on a fait pendant la proto maquette, juste pour voir à peu près, pour s'imaginer comment ça allait dans l'ancien live. Enfin, on avait fait ça, je crois, il y a quoi? Il y a 4 lives d'avant, ou quelque chose comme ça? La proto maquette? Je sais plus. Voilà, un truc comme ça, je crois. Ouais, voilà. Donc, du coup, voilà, on avait. Remis des valeurs à ces spells là pour après changer ses PV et ses points de dégâts. Donc du coup il avait subi un gros buff si on suivait le template d'équilibrage, tu vois, avec on avait même mis l'explication pourquoi en fait il subissait ce truc. Et après par la suite on allait faire les monstres et les boss et les items. Le truc qui se passe c'est que si déjà on a des doutes avec ce système d'équilibrage sur les héros eux-mêmes, ça sert à rien qu'on avance devant, parce qu'après, ce sera juste beaucoup plus de choses à refaire. Donc on va essayer de partir sur de bonnes bases. Alors, du coup, voilà, donc, on est arrivé avec un autre système. Enfin,
Je suis arrivé avec une proposition de système. C'est pas un système qui est... il va peut-être pas être validé ce soir, ou peut-être qu'il va être jamais validé. Mais au moins, il y a peut-être une alternative. Moi, mon alternative, en fait, il est très con. Mais il est vraiment, mais d'une débilité sans nom. Donc, on va voir ça tout de suite. Passons du coup à la base de chez base. Je sais pas si vous voyez ça maintenant, du coup, si jamais je l'ai bien mis. Non? Non, ça s'affiche pas? Mince. Alors, attendez. Gros caca, voilà. Comme ça, c'est mieux. Du coup, là, on a l'exemple typique d'une fiche de perso dans un jeu de Donjons et Dragons. D'accord? Donc, évidemment, on va pas prendre tout ça. Hein, on va pas prendre tout ce bordel, genre strength, dexterity, constitution, intelligence, charisme, machin, avec l'armor class. Par contre, toutes ces informations-là, en fait, on va le simplifier au fond du fond. C'est-à-dire que on va partir d'un principe tout simple, de l'équilibrage que les joueurs ne verront pas. Ça, c'est vraiment pour nous, cette partie-là. On va prendre un exemple tout con. Là, quand vous faites un JDR, normalement, bon, déjà il y a toutes les histoires de classe, race, machin et tout, mais dans ce cas-là de Donjons et Dragons, ce qui nous intéresse en fait, c'est le fait que déjà, on va pas faire tout le bordel avec les races entre les humains, les elfes, les nains, les machins, parce que on va plus s'en sortir si on fait comme ça. Et puis, il se passera à un moment donné où en gros, on va juste surdoper certains personnages, ça ne sert strictement à rien. Si jamais c'est pour tout recommencer à chaque fois. Non, ce qu'on va prendre, par contre, ce sont les classes. Les histoires de classe, c'est-à-dire quand ils ont, y a certaines classes qui vont avoir plus de PV, il va y avoir certaines classes qui vont avoir plus de dégâts, mais ce sera jamais en mode oufissime de tout. D'accord? Il y aura des spécialistes qui pourront prendre beaucoup plus de dégâts dans la tronche, et d'autres qui vont pouvoir infliger vachement plus de dégâts que les autres, parce qu'ils sont spécialisés là-dedans. Ce qui se passe, c'est que du coup, on va peut-être squeezer certaines choses qu'on a pu voir sur les anciens persos. C'est-à-dire qu'on va devoir réécrire aussi leurs spells. Parce que du coup, ça ne conviendra plus avec ce système-là. D'accord? On va oublier aussi la vitesse, l'initiative, le machin. Ça ne nous intéresse pas tout ça. Ça va juste complexifier encore plus le truc. C'est pas ça qui nous intéresse. On va essayer d'être simple parce que le but du jeu, c'est de faire un jeu simple. Donc, on peut aussi voir. Bon, après, j'avais pris aussi d'autres exemples, mais. Je sais pas si c'est vraiment pertinent. J'avais mis aussi le truc de Warhammer, mais bon, le Warhammer, on s'en fiche un peu. Donc je vais pas le faire. C'est pas ça qui nous intéresse. Donc, allons-y, allons-o. On va parler du coup de ce qui nous préoccupe. Alors, là, déjà ça. Pardon, hein, parce que du coup, j'ai mal géré mon truc, comme d'habitude, parce que je suis un gros caca. Voilà. Reprenons l'Héropool, par exemple. Dans l'Héropool, on a pu voir pas mal de choses qui. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, du coup, Hulor, que tu m'as dit que ça allait pas. C'était au niveau des attaques. Et du coup, oui, ça faisait que le template d'équilibrage était peut-être un peu trop brouillon. Donc, que cela ne tienne, on va prendre un exemple des plus simples. Donc, hop, tac 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 tac, je vous mets ça tout de suite. On va prendre un exemple tout court. On va prendre le premier exemple qui nous prend. Tiens, on va reprendre le paladin parce que pourquoi pas. D'accord. Hop, que vous voyez affiché tout en haut. Normalement. Et on va le voir après aussi, on s'en fiche. Donc ça, c'est d'ailleurs l'ancienne version, parce que du coup, il a d'autres points V et tout ça. Mais ce qui nous intéresse là, hop, j'aurais vraiment dû re-regarder mieux le truc, parce que du coup, je perds un peu de temps pour faire les switches, je suis désolé. Mais bon, bref. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que tout ça là, on l'oublie pas, on va le garder encore pour le moment. On va juste écrire par la suite. En gros, maintenant, on va faire par classe. D'accord? Donc si on reprend l'exemple là du paladin qu'on a juste au-dessus là. Donc, bon déjà on va mettre le nom de sa classe, hein, paladin. Alors les paladins, déjà c'est une classe guerrière. Donc, on va mettre le dégât et les PV, ce sera plus simple.
Ce qui nous intéresse chez les paladins, déjà, c'est peut-être leur plus leur aspect tanky. D'accord? Donc pour leur aspect tanky, tu peux déjà partir d'une base que tous les héros commencent, on va dire, avec 10 points de vie. Par exemple. Ça, c'est la base de tout le monde. C'est qu'ils commencent au moins avec 10 points de vie. D'accord? Tu rajoutes à ça la classe, donc c'est-à-dire paladin. Donc on va lui rajouter, on va dire. Pour l'instant, c'est qu'un exemple tout con, hein. Après, on va devoir raffiner la chose et tout ça. Mais par exemple, vu que c'est un paladin, donc dans notre jeu, on peut mettre entre parenthèses pour nous un tank. D'accord? Donc on va lui rajouter encore, pour que ce soit plus legit, on va lui rajouter 6 points. Parce que c'est un tank. D'accord? En fait, non. Pour que ce soit plus parlant, on va lui rajouter carrément 10. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Alors, on va travailler en entier, comme ça sera moins brouillon. Après, on va lui rajouter sa classe d'armure. Donc, c'est-à-dire que c'est un tank, donc il porte du lourd. En plus de ça, vu que c'est un paladin. Donc, on va lui rajouter encore 10 points. Au total, ça fait qu'il a 30 PV. En tout et pour tout. Tu me suis là pour l'instant, Hilor, ou pas? Oh oui, pas D'accord. Donc, en gros, ce qu'on peut mettre là en dessous des PV, c'est la base, plus sa classe, plus son armure. D'accord? Et ça, c'est sans item, sans rien du tout, hein. C'est pur, c'est comme ça que le perso arrive. D'accord? Pour les dégâts, c'est encore plus simple. Ça va être encore une fois sa base. Donc 1. Plus sa classe. Là, on a vu que c'était. On voulait faire un paladin plus tanky avec Dreyland. D'accord? Donc sa classe, du coup, va lui rapporter que, on va dire, 4 points. Parce que c'est. Voilà. C'est pas, il n'est pas là pour. Bah non, tiens, du coup, 3 points, c'est mieux. Parce que sinon, après, ça va tout niquer. Et après, il y a son arme, on va dire, RP, là, pour ajouter au truc. Donc, ce qui nous donne une épée à deux mains, mais dans le cas de Dreland. Enfin, non, il avait une épée et un bouclier, pardon. Du coup, on va lui remettre un petit 3. Du coup, il a 7 de dégâts. Ok? Tu vois ce que je veux dire ou pas, Hulor? Ouais. Ok. Ça, c'est dans le cas d'un tank. Ok, donc on va reprendre un autre exemple à la con. Pour comparer. On va prendre. Tiens, on va prendre, on va prendre, on va prendre. Comme ça, du coup. Voilà. Donc tiens, on va reprendre, tiens, le petit Squamatus là. J'espère qu'on le voit bien. Ouais, normalement, selon mon truc, ouais, on le voit bien. Sont. Donc ça c'était pour le cas de Dreyland. Maintenant, pour le rôdeur. Le rôdeur, c'est pas que c'est un hybride, mais c'est qu'on. Enfin voilà, dans l'imaginaire plus collectif, c'est un truc à dégâts normalement. Un truc un peu plus. Qui quand même peut prendre encore quelques coups, mais il est pas. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Il est entre les deux. C'est un peu une classe chelou en vrai pour le définir. Il y a certains JDR où on va le comporter comme étant un pur dégât. Genre il se prend une claque, il meurt. Mais il y en a d'autres où genre il peut prendre encore quelques tatanes avant de s'écrouler par terre moche, tu vois. Donc, on va refaire la même chose. 1. Et c'est PV. Tac. Donc, 10. Hop. Donc, les dégâts d'un. Déjà, on compte déjà sur une classe un peu plus. Qui fait un peu plus de dégâts. Donc là, pour le coup, dans ces dégâts, il va pas faire 3. Dans sa classe, d'accord? On compte qu'il fasse du dégât, donc du coup on va pas lui mettre 3, on va lui mettre 5 directement. D'accord? Parce que c'est. Voilà. C'est du 5 physique, il faut pas déconner. Après, il y a sa classe d'armes. Son arme, on a vu que Squamatus, on voulait en faire un vrai gars qui fait du dégât. D'accord? Donc parce que par ses spells. En tout cas, c'était l'envie qu'on voulait sur ce type-là. Donc du coup, on va pas lui mettre 3, encore une fois. On va lui mettre plus 5. Donc du coup déjà d'un coup tu vois il fait 11 de dégâts. Ok? Donc sa base c'est 10 comme pour tout le monde. Hein, on va pas déconner non plus. Sa classe étant le rôdeur, bah du coup on va pas lui mettre 10 parce que sinon comment on pourrait justifier qu'un tank qui est en. Voilà, qui est fait pour. Le paladin il est fait là pour prendre du dégât. Donc on va pas lui mettre ça. On va lui mettre par contre, vu que c'est une classe intermédiaire entre le full dégâts et un truc tanky. Bah déjà, on peut déjà peut-être déjà lui mettre un petit 7.
D'accord? Son armure étant du cuir, donc du coup intermédiaire, encore une fois, on va lui remettre un 7. Ok? Donc du coup, au total, il a 24. Selon cet exemple. Encore une fois. Ce qui est déjà plus représentatif des classes, quoi. Voilà. Même si, par exemple, si moi, si je m'écoutais parler, déjà, il n'aurait pas 24 de PV, je lui baisserais un peu. Mais ça voudrait dire que si jamais on tombe sur un gros hitter, il se prend deux shots, il se fait clapser la gueule. Sauf que bon, encore une fois, c'est un jeu où il faut que tu fasses un peu une team de 4 héros. Donc ça peut encore, voilà, tu peux encore essayer de faire des trucs avec des items, avec des améliorations. Donc c'est pour ça que pour l'instant, dans cette histoire-là, en gros, on a repris le truc du JDR, où en gros, tu as une base. Normalement, dans JDR, c'est des jets de dés, tu vois, les machins. Ça, j'explique ça pour les viewers, parce que toi, tu sais. Après, tu as la classe de personnage, si jamais c'est un jeu avec des classes, donc paladin, rogue, magicien, tout ça. Et après, il y a l'armure. Enfin, l'équipement, en gros, qui porte de base. Voilà. Donc, ce serait ça, le système que je mettrais sur la table, déjà, dans un premier temps. Ça, ce serait pour on va dire, les stats de base, hein, qu'on voit sur les héros, qui sont les points de dégâts, et CPV. Est-ce que déjà, toi, ça te parle plus? Alors. Ça me paraît plus cohérent. D'accord. Donc, on est d'accord que du coup, on va devoir faire un template d'équilibrage déjà en marquant toutes les bases déjà de PV et de dégâts que les personnages devraient avoir. Donc, dans cet exemple, 1 et 10. Les classes. Donc, pour un paladin, c'est quoi sa base? Donc, c'est-à-dire que bah, pour le coup, ce serait 10. Et après, il y a l'armure et machin. Donc, du coup, comme ça, on peut faire des tanks un peu plus squishy. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être pas avoir 30 pour certains paladins, mais plus 27 ou des trucs comme ça. Par contre, ils vont faire un peu plus mal. Parce que, du coup, ça veut dire que ce qu'on va essayer d'enlever là sur la base. Parce qu'on va partir du principe que là, c'est l'exemple typique d'un paladin. Si par exemple, moi, je veux faire un paladin qui fait plus de dégâts, mais qui a moins d'armure. Bah, ce qui peut se passer, c'est que je peux enlever, par exemple, on va dire une connerie, hein, 3. De ces PV là, donc du coup il retomberait à 27. Par contre, les 3 que j'ai pris, bah du coup je vais lui mettre là. Du coup, ça ferait 10. Tu vois ce que je veux dire? On peut Ouais. essayer aussi de s'amuser un peu comme ça pour donner une vraie statistique différente à certains héros pour que ce soit un peu unique et que ce soit pas juste des illustrations random. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? De toute façon, chaque héros aura du coup ses dégâts et ses PV différents. Oui. C'était déjà le cas avant, quoi, ça Oui, veut c'était dire. déjà le cas avant, mais sauf que cette fois-ci, c'est parce que en fait, avec le système avec lequel je suis venu comme proposition, parce que c'est une proposition, hein, c'est pas. Voilà. Avec cette proposition-là, ce serait une alternative justement pour qu'on puisse garder encore le fait que chaque héros, indépendamment de sa classe ou quoi, ait toujours des stats bien à lui. Que ce soit pas juste un copier-coller des autres qui font partie de sa même classe. Yes, on fait ça? Ça, C'est comme tu veux. non, mais, non, non, mais attends, c'est une équipe de C'est deux. toi qui dois faire l'équilibrage, hein. C'est Oui, non, non, mais je te toi donne. qui vois si t'es à l'aise avec ça ou quoi. Je te demande ton avis. Moi, je serais à l'aise avec ça, personnellement. Mais après, voilà, faut encore que je fasse un. Il faut encore que je fasse encore bien un rond jump sur les classes et tout ça, pour pas que ce soit non plus trop abusé, que ce soit pas juste bah, qu'il y ait un god tiers de classe et les autres, en fait, c'est juste inutile de les amener en donjon si jamais tu dois te battre avec un autre joueur ou avec des mobs, tu vois. Donc voilà, c'est juste ça en fait. Hein. Pardon, je vapotais. Donc, ça, ce serait pour les stats. Si on reprend l'exemple il y en avait un qui te faisait vraiment peur. C'était, je crois, Kemet. Donc, on va faire un petit truc. Tac, tic, tac, tic, tac, 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 tac. C'était dans le Hero Pool. Voilà. Donc, dans le Hero Pool, toi, ce qui t'avait un peu. C'était. Voilà, tiens, on va reprendre le fameux Lazio. Du coup, hein, qu'est-ce que t'en penses? On fait ça? De quoi? C'était un... C'est ça? C'est le surfeur. Ouais. Alors attends,
Tac, tac, tac. Heroes. Comme ça, on a au moins un petit visuel, ça peut être marrant. Hop, voilà, tac. Donc, en fait, le problème avec Latio, c'est que du coup, on avait du coup découvert un petit problème. Enfin, disons qu'il y avait tout un truc. C'était les infliger 8 points plus vos points d'attaque à tous les ennemis. Ça, c'est après correction. Mais avant, ça passait genre infliger 8 points de dégâts. Et on parlait pas de son attaque et ses PV. Donc, maintenant, ce qui va se passer, c'est que, on va dire, que infliger vos points d'attaque, donc du coup ce sera les dégâts, donc, faites, en gros on va tourner la phrase correctement, là c'est que je suis pas venu avec, mais en gros il y aura toujours un surlignement à chaque fois pour dire que c'est plus vos points d'attaque. Ce qui va arriver le plus souvent, c'est qu'on dit qu'on met, en fait on ajoute des dégâts aux points de dégâts de base. D'accord? Donc c'est pour ça. Ouais. Et aussi, il y a un truc que j'ai pensé, vu qu'on va fonctionner vraiment plus sur les classes, c'est que les mages, leurs dégâts purs, bah, ils vont puer leurs dégâts purs, leurs points de dégâts de base. Du coup, c'est les spells qui seront intéressants. Voilà. Ce sera plus les spells intéressants. Donc du coup, il y aura peut-être une méta. Il y aura des héros, par exemple, je pense justement aux mages du chaos. Qui vont, leur job ça va être d'emmerder les mages adverses, tu vois, ou les créatures, ça dépendra aussi contre quoi tu te bats, mais dans une optique de PVP par exemple, bah, un mage du chaos restera un pic intéressant, voire hyper utile contre un autre joueur, parce que du coup bah, certains mages du chaos ça va être genre tu fais oublier à la cible un de ses spells, tu vois, tu fais, en gros tu l'emmerdes, tu lui mets des bâtons dans les roues. Ça peut être ça. Pardon pour la vapote. J'ai oublié. Normalement, je me mute quand je vapote, mais bon, là, c'est... désolé. Mais enfin, voilà. Donc, il y a déjà cet équilibrage-là par rapport au mage. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça peut marcher. Après, pour... Parce qu'en plus de ça, ils auront peut-être... Il y aura certains mages aussi qui vont passer leur temps, tu vois, à buffer ou quoi. Enfin, tu sais, quand je dis mage, j'introduis aussi l'effet des druides. Des chamans, tu vois, enfin ceux qu'on voit plus en toge ou en truc comme ça en fait, hein. C'est ça auquel je pense, hein. C'est genre les mages arcaniques, les machins et tout ça. Donc du c'est coup, c'est des mages de guerre. Oui, c'est pas des mages de guerre. Alors que si jamais on va commencer à taper dans du, je sais pas moi, si je viens avec un prêtre de Martialus, tu vois, par exemple, une idée dans les religieux que je pensais, en fait c'était un prêtre de combat. Hein, toujours de la lumière, machin et tout, sauf que... Bon non, enfin non, là c'est de la guerre, mais quand même. Dans l'idée, c'est pas un méchant. Bah du coup, si tu veux, il va avoir des stats un peu boostées, en termes de PV et de points d'attaque, parce que ses spells, en fait, ça va être que du buff. Tu vois? Lui, son travail, en fait, c'est de motiver les autres à faire le bon boulot. Donc c'est-à-dire à péter des bouches. Dans l'exemple qui nous intéresse. Ok, ok. Parce que... Par exemple, un prêtre de Martialus, pour te dire à quoi ça ressemble à ça. Voilà, donc. On est pas loin de l'ancienne version visuelle que certains avaient des paladins. Je vais te mettre en. T'sais, mais je suis con en fait, je t'ai pas fait partage d'écran là. Du coup, tu dois voir ça en retard. Le stream. Ouais, du coup, je vois en retard, mais je vois quand même. Tu veux que je te fasse quand même un partage d'écran? C'est peut-être mieux pour toi, non? Souvent, t'inquiète. D'accord. Tu me diras. Donc voilà, donc ça, ce serait par exemple une idée de... Enfin, une idée. C'est à ça que normalement devrait ressembler un prêtre de Martialus. Hein. Donc, c'est-à-dire... Un monsieur bonjour, je suis là pour la guerre. Tu vois? La baston. Ouais, voilà. Et donc, au vu de son armure, ce serait quand même con de lui donner seulement 10 PV, quoi. Non, mais j'exagère, mais tu vois dans l'idée. C'est... Ah ouais? Ah, c'est... Mais c'est pour ça... Sauf que par contre, tu vois, ces spells iront avec. Tu vois, ce sera du buff. Vu qu'il fera beaucoup plus mal et tout ça, tu vois. Mais. Voilà, c'est. Donc, c'est ça en fait l'idée. De cet équilibrage-là.
Parce que je pourrais aussi me perdre dans, voilà, vu que c'est un humain, il aura tant de PV, tant de dégâts de base, si jamais c'est un elfe, il a tant d'attaques et machin et tout ça. Sauf que, à la fin du truc, on va juste s'en mêler peut-être les pinceaux à la fin. Parce que c'est pas un JDR, c'est pas un truc, genre, il y a trop Bah, peu après, en de... vrai, t'as les dégâts et PV de base, tu sais, hors classe, hors équipement, qui pourraient servir à ça. Même si tu le fais pas tout de suite, on pourrait acter que 10 et 1, c'est pour un humain. Je sais pas, genre un elfe serait moins de résistance, mais un peu plus de dégâts, ou un truc comme ça. C'est possible, après, ouais, Ouais, c'est c'est possible. obligatoire pour le moment, quoi. Parce que. Parce que, en fait, si tu veux, mon problème en fait avec ça, d'ailleurs, c'est super que tu en parles, parce que, en fait, d'ailleurs, j'allais en venir, c'est qu'en gros, avec ce système-là, quand tu vois avec le truc des races, genre si jamais c'est un humain, un elfe et tout ça, c'est qu'il y a les spells qui vont aller derrière, tu vois. Au bout d'un moment donné, t'as les spells qui vont venir derrière, et puis t'as aussi tes jets de dés qui viennent aussi derrière, t'as des équipements, machin et tout, tu peux l'améliorer au fur et à mesure de ton aventure. Pour qu'il comble certaines de ses faiblesses ou justement qu'il accentue ses forces. Sauf que là, on est dans un jeu où ils ont trois capacités, parce que je compte aussi celle de guilde. Et en fait, avec ces trois capacités-là, ça peut être assez ardu pour rendre le personnage non pas trop faible, mais au moins intéressant pour que tu puisses éventuellement l'acheter ou le prendre dans les débuts parce que voilà, t'as une stratégie en tête ou quoi que ce soit. En fait, j'ai pas envie de tomber dans le coup de c'est une carte extrêmement faible, personne la joue. Parce que quoi qu'il arrive, ça reste quand même un des worst picks à avoir au début, je sais pas quoi, tu vois, j'ai pas envie, tu vois, de ça. Donc c'est pour ça que du coup, pour le moment, je préfère déjà tester, voir comment ce système-là, à la rigueur, parce que tu sembles le valider, donc, enfin le valider, du moins ok pour qu'on le teste. Je préfère déjà rester simple dans un premier temps. Donc c'est-à-dire que de base, les héros, ils démarrent avec tant de PV et tant de dégâts, et après on ajoute leur spécificité. Et après, si franchement on est plutôt content de ce qui arrive. Pourquoi pas commencer à tweaker un peu leurs dégâts et leurs PV selon leur race, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. Parce que, en fait, c'est ça, moi, mon problème, c'est que dans un JDR, en fait, vu que t'as tellement de trucs, bah, ça compense, en fait, les éventuelles faiblesses ou les éventuelles, tu vois, genre, différences de base, en fait, des persos. Genre les traits raciaux, les machins, tu vois. Il y a plein de trucs, tu vois, c'est... Or, là, dans ce jeu-là, vu qu'il y a peu de données vis-à-vis d'un JDR, hein, je parle, hein, bah, du coup, ça risque, voilà, d'être très facile à être complètement déséquilibré. Ça va être violent en termes d'équilibrage. Ouais, ça va demander un travail monstrueux. Est-ce qu'on veut vraiment le faire? Est-ce que c'est vraiment pertinent dans un sens? Ou pas? Ah, comme ça, c'est difficile à dire en vrai. Enfin, ça se verra plus, je pense, si on voit qu'on a deux classes, enfin, deux persos qui ont les mêmes classes et qui arrivent pas à s'équilibrer entre eux. C'est autre chose, quoi. Là, C'est on ça. saura que bah ouais, faut peut-être du coup tuquer selon la race, mais tant que c'est pas le cas, on peut s'en passer. Hein. Ouais, pour l'instant, on peut s'en passer. Déjà, on va peut-être essayer déjà d'essayer d'explorer, peut-être, je pense, les héros qu'on veut voir en action dans le donjon, ce qu'ils sont capables de faire ou pas, ce qu'on veut voir visuellement dans le jeu, enfin visuellement non, mais enfin tu me comprends dans les règles, quoi. Et après, si on voit que justement avec l'implémentation des races, que ce soit dans leurs dégâts, leurs points de vie et tout ça, est-ce que c'est pas... Voilà, là peut-être qu'on réfléchira vraiment à leur intention. Mais j'ai pas envie, par exemple, que si jamais tu en reprends l'exemple là du paladin. Donc, plaque. Voilà. Bon, là par exemple, tu vois, dans la poule de héros, Dreland, c'est un humain, à la base. D'accord? En dessous de son masque, c'est un humain. Par contre, j'ai fait un autre paladin vite fait, juste pour me marrer, pour voir si jamais il y avait l'option des hommes lions. Bah, il y a un homme lion paladin que j'avais fait là vite fait sur Aeroforge. Ok, d'accord, l'autre paladin, je voudrais l'orienter plus un peu plus dégâts. Mais quand même, genre, tu vois, il y aura peut-être une trop grosse différence. Et en gros, genre, bah, très vite, on peut arriver au terme de... Ah bah non, 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 il faut mieux que tu prennes
par exemple, telle race en héros, si jamais tu veux vraiment un tank, quoi qu'il arrive, quoi que leur classe, on s'en fout. En vrai, prends ce héros-là parce qu'au moins, tu vois, il aura une très bonne base en dégâts et PV. Et en fait, du coup, tout d'un coup, les spells vont peut-être devenir trop gadgets si jamais je les fais pas assez intéressants ou quoi que ce soit, tu vois. Il y a tout ça aussi. Il faut aussi, tu vois, que je fasse des spells intéressants. Et qui peuvent être. Oui, il Hein? faut que ce soit varié, quoi. Voilà, il faut que ce soit varié. Moi, je veux pas qu'on donne tout le temps le même plat de salade aux joueurs, en fait. Et que c'est juste l'illustration qui change, tu vois. En tout cas. Oui, carrément. Mais du coup, tu les as pas encore notés, en fait, les races, là, sur... Alors, je l'ai fait sur papier parce que, en gros, quand c'est comme ça, je préfère écrire sur papier. mais là, en fait, justement, je vais le faire du coup sur le Word. Mais par exemple, les races, c'est aussi simple que bonjour. Alors, tac, tac, tic, tac, tac. En gros, ce qui va se passer, c'est que je vais reprendre. En fait, je vais reprendre directement les stats en fait du JDR et je vais les downsize pour que ce soit dans les échelles de valeur qu'on utilise en fait dans le jeu. Donc, c'est-à-dire que ça dépasse jamais les 100, quoi. Tu vois? Genre, t'auras pas un héros avec 100 points de vie. Tu vois, on va pas partir à la Yu-Gi-Oh! Là où leurs cartes, par exemple, ils ont genre 3000 points de vie, des conneries comme ça, tu vois, le truc monstrueux. Ouais, c'est ce qu'ils ont pas de cartes qui ont en dessous de 600 points de vie, un truc comme ça. Ouais, genre, c'est. Putain, pourquoi, tu vois? J'ai envie de dire pourquoi? C'est la folie des grandeurs. Mais. Donc, c'est pour ça. Donc, c'est pour ça qu'on partirait là-dessus. Alors, ouais, tiens. Que j'ai pas changé le truc, du coup, ouais, tu vois pas la même chose que moi. Voilà, par exemple. Tiens. Tu sélectionnes. Tac, 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 tac. Non, c'est pas ça qu'on veut. Voilà. En gros, dans le JDR, t'as tout ce qui est. Tu sais, genre l'initiative, les forces, la dextérité en plus, tu vois. En fait, ce qui va se passer, c'est que pour là pour les classes, en gros, tu vois tout ça, en fait, là, je le mets parce qu'en gros, il y a la liste des classes, c'est pour ça, mais il n'y a pas les stats, parce qu'en gros, il faut aller dans la partie des classes, genre guerrier, tu vois, ils te mettent plus machin en point de vie, et machin et tout ça, comment ils évoluent. Mais par exemple, tu vois, je vais reprendre ce template pour pouvoir, en gros, réécrire derrière du flat. Donc, je vais reprendre le texte d'équilibrage. Alors, paf, paf, paf. Putain, j'aurais vraiment dû mieux préparer ça parce que du coup, je m'y perds un peu. Pardon. Voilà, hop. Donc, par exemple, tu vois, là, j'avais commencé avec le paladin. Donc, tu vois, par exemple, là, le paladin, sur le texte d'équilibrage, je vais prendre directement les. En gros, je vais recopier, en gros, là, vite fait, là. Parce que la base, en gros, on va le noter là, tu vois. Base de perso, c'est dégâts 1, PV 10. Donc dans les paladins, en gros, je vais juste rajouter la classe, donc c'est-à-dire le 3. Pas du tout. Hop. Donc là, par exemple, dans la classe de paladin, je vais mettre dégâts 3 et PV 10. D'accord? Donc en gros, tu auras la base de perso. T'auras après la base d'équipement. Donc c'est-à-dire tu sais les armes et armures quoi. Donc on va plutôt parler de. Peut-être pas équipement parce que sinon après ça risque de nous embrouiller. Donc on va dire base. Blablabla. Base d'armes et d'armures, hein, comme ça. On trouvera un meilleur nom après, on s'en fout. Donc, là, dans un premier temps, du coup, par exemple, je vais mettre des trucs très simples, hein, c'est-à-dire épée, tu vois, épée à deux mains, machin et tout. En fait, avec ça, en gros, ça m'aide, en gros, à visualiser à peu près comment les mecs partent, en fait. Tu vois, pour justifier qu'ils aient plus gros points de vie et tout ça, tu vois. Ouais, je vois. Donc par exemple la base d'armes et d'armures, je vais reprendre en fait mon document de JDR et je vois en fait les armes auxquelles les classes ont le droit et ce qui va me permettre justement d'établir le
le style de jeu que le perso va faire, tu vois. Si jamais par exemple je pars sur un paladin full tank, bah du coup il aura une épée ou une masse, on s'en fout, à une main, et un bouclier, tu vois. Donc du coup je sais que là je pars sur un truc où son délire ça va être de prendre des coups. Donc du coup je sais directement que je veux lui booster ses PV, parce que son job justement c'est qu'il tienne sur place, tu vois, qu'il s'effondre pas aux deux premières claques qu'il va prendre. Par contre, vu qu'il a pris des armes, on va dire, bah, qui sont pas taillées pour faire des gros dégâts, dans une optique de JDR, bah du coup ces dégâts vont pas être foufou, tu vois, par rapport à certains. Et c'est comme ça que je vais partir. Donc du coup je vais lister en fait directement toutes les armes et armures. Sachant que l'armure en fait ça va être très simple, ça va être légère, intermédiaire et lourde. Je vais pas faire plus que ça. Hein. D'accord? Ça va être que trois trucs. Donc faut pas s'imaginer tout de suite que je vais faire toute une armurerie et que je vais juste me compliquer la tâche pour rien. Non. Par exemple, dans les armes, je vais partir au très léger, c'est-à-dire à l'arc, à l'épée, à la hache. Tu vois, déjà, je vais partir déjà à deux mains, par exemple. Bon, là, par exemple, l'arc, il est un peu trop. Il est là un peu trop tôt. Tu vois, je vais prendre. Arc, enfin, épée, hache, masse. Tu vois, dague, tu vois, et je vais leur donner en fait, je vais leur attribuer des points en fait directement de dégâts. L'épée, la hache et la masse, par exemple, là, qui sont deux armes, on va dire, de quand même, tu vois, genre c'est à une main, mais c'est pas une dague. Bah, ils vont avoir le même point. Tu vois ce que je veux dire? Donc par exemple les épées, les haches et les masses par exemple, on peut très bien partir du fait que ça vaut 3 en dégâts. Les dagues qui sont toutes légères par exemple, on peut partir dans un délire que ça vaut 2. Sauf que avec la classe du personnage par exemple, si on prend un voleur, enfin bref un brigand, bref on l'imagine en train de faire des backstabs et il est là aussi pour faire des dégâts hyper flat, c'est sa classe qui va rattraper le coup. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Pour tout ce qui est arc et tout ça, normalement, bah, on va lui donner peut-être la même classe d'armes que les épées, les haches et les masses, parce que bon voilà, c'est à distance, sauf que tu vois, ça va faire partie des trucs à distance, donc du coup, je vais quand même essayer, tu vois, de me parer sur un truc, parce que il y a quand même des gars qui vont partir avec plusieurs armes sur eux, tu vois, parce que dans l'optique du perso, par exemple, moi, je m'imagine, on va dire, par exemple, dans le cas de Squamatus, là, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Squamatus ont été partis quand même sur un délire de bah ce mec-là, il a une épée courte et il a une hache, il a un arc, pardon. Bah du coup, je vais lui rajouter l'arc et son épée. Donc du coup, ça va être 6 pour ses armes. Donc du coup, en plus de ça, là dans l'exemple de Squamatus, là au lieu de 5, je vais lui mettre 6 tout bonnement. Donc du coup, il va avoir 12. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est ça. Donc en gros, je vais faire. En gros, voilà comment ça va se passer. Là, ce que je vais devoir m'amuser à faire, c'est en gros, je vais prendre un nom de classe. Je vais lui donner une base de dégâts et de PV type, un prototype, tu vois, genre ce qu'on voudrait. Donc là, en dessous, par exemple, je vais. Bon, base, on va pas le mettre. La classe, bah là, pour le coup, je vais mettre Paladin. Et là pour l'arme, je vais mettre la liste d'armes par exemple que j'imagine pour le typique paladin. Et pourquoi du coup j'ai mis ça dans le prototype, enfin dans le prototype, dans l'archétype même du paladin par exemple qui aurait 1 plus 3 plus 3 plus 3 plus 7. Bah, c'est parce que dans les armes par exemple il a une épée et un bouclier. Donc du coup ça, bon là ça ferait pas 3 mais voilà du coup ça fait 3. Là dans l'armure, bah du coup je mettrais plate. Et voilà. Et si jamais il y a un truc qui change, par exemple, là par rapport à l'archétype que j'aurais mis, l'exemple typique de ce que je voudrais que cette classe ressemble, bah je vais préciser pourquoi je lui ai mis, par exemple, dans l'arme un peu moins ou quoi. Tu vois? Histoire de me retrouver pourquoi j'ai mis plus de dégâts à un perso et tout. Et grâce à ces stats,
Je peux essayer de travailler sur ses spells. Est-ce que je dois lui mettre des spells beaucoup plus offensifs? Sachant que ses dégâts de base sont peut-être hyper lourds. Donc du coup, je veux les capitaliser en faisant des espèces de montagnes de dégâts. Ou est-ce que au contraire, je le trouve beaucoup trop faible? Donc faut que je trouve un moyen de justifier que, tu vois, ça peut aussi donner des idées de design de personnage. Et aussi peut-être de nous aiguiller en vrai sur ce qui nous manque ou pas en fait. Parce que du coup on saura pourquoi on a mis un perso plus up que d'autres et tout ça. Parce que c'est vrai qu'avec l'ancien système, si on remonte, l'ancien système c'était juste basé sur les 30 points. Et après t'avais voilà, les spells qui faisaient que bah, ça dépensait 5 ou 3 ou 2 sur les 30 points. Donc, du coup, bah, après, on essayait de jongler pour que ce soit des stats viables et tout. Alors que dans cet exemple-là, si on reprend vraiment le truc du JDR, bah, du coup, c'est beaucoup plus carré. Parce que du coup, on sait que la base, c'est ça. La classe, bah, du coup, il faut qu'il ait ça. Et après, on lui donne l'équipement de base, de départ. Et puis, hop, avec ça, on sait déjà avec quoi on en est. Et du coup, ça nous donne pas des trucs où, genre, si jamais on fait un mage qui est très support, bah avec l'ancien système, vu que c'est un buff ou des buffs, bah du coup, ça lui fait que dépenser que 2 points à chaque fois. Donc du coup, il va se retrouver limite avec les mêmes stats qu'un paladin spétanque. Donc du coup, oui, ça a l'air con. Quand tu vois le petit Alphonse débarquer en mode, genre, encore avec sa culotte et qu'il a 30 PV autant que le paladin, bon, bah tu te dis, attends, il y a eu un bug là, tu vois. Donc voilà, c'est ça ma proposition. Tout simplement. Ouais. Du coup, tu as limité en termes d'armes ou un truc comme ça, genre tu peux pas Oui. avoir plus de 2 armes ou un truc comme ça. Oui, parce que par exemple, en fait, ce qui va se passer, c'est que je pars dans le prototype même. C'est pour les. Comme tu as pu voir, par exemple, pour le cas du paladin tout à l'heure, j'avais mis épée et bouclier. Bah c'est ses seules armes. Il a qu'une épée et qu'un bouclier. Il n'a pas une rapière de quelque part qui est cachée au fond de son armure, de plate, dans des endroits sombres et humides où le soleil ne brille jamais, tu vois. Et puis il a son armure, c'est tout. Et ça va être pareil pour tout le monde. C'est-à-dire que par exemple pour Squamatus, là le rôdeur, qu'on a vu tout à l'heure, bah du coup lui il a son épée courte et il a son arc et ses flèches. Ça fait quand même toujours 2 armes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc pour l'instant, je vais me limiter à 2 armes. Les mages, bon, ça va être super simple, hein. Ça va être... Pas d'air. Bah, ils ont peut-être un petit bâton de marche, mais... Après, ça dépendra des mages, mais... mais voilà, dans l'idée, c'est vraiment leurs spells qui vont être plus intéressants. Par contre, leurs spells vont être vraiment flat. C'est-à-dire que ça va. Si jamais ce sont des debuffs, il y aura quand même une petite précision que tu infliges tant de points de dégâts, tu vois. Alors que d'autres vont faire ce tour-ci, vous infligez vos points de dégâts plus. Et là, tu mets le spell, tu vois, ce qu'il fait. Genre, si jamais c'est 2 points de dégâts à tout le monde ou des trucs comme ça, tu vois. Enfin, ça dépendra des cas. Mais voilà, c'est ça l'idée. Donc, en gros. Ce qui va se passer, c'est que la semaine prochaine, il y aura des. En gros, je vais présenter les classes avec un petit résumé de ce qu'on voudrait en fait pour cette classe en règle générale. Et un exemple en reprenant toute la poule de héros qu'on a fait, avec d'autres exemples si possible, avec les nouvelles stats, les nouveaux spells, et on en parle. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce sera vraiment comme limite ce qu'on imagine du paladin. Donc c'est-à-dire que le paladin, je vais le décrire. Donc un paladin, voilà, ça sort de machin. Il a une armure de plate parce qu'en même temps, bah, l'église a du pognon. Et vu que c'est un petit peu leur bras armé, bah, ils ont mis le paquet. Tu vois, donc du coup, il y aura toutes ces explications-là. Les armes qu'on préférerait voir chez un paladin, donc c'est-à-dire qu'on va pas voir un paladin avec des dagues. Faute de goût. Faute de goût total. Tu vois, donc on va partir là-dessus, on va mettre vraiment, bah, limite comme dans un JDR, où en gros on va dire, mais ça c'est pour nous, tu vois, on le verra pas, le joueur le verra pas, mais vraiment pour histoire de statuer à peu près l'idée précise qu'on veut de chaque classe. Du coup, ça va nous aider énormément pour
pour les équilibrer. Et comme ça, on pourra voir directement où est-ce que ça a coincé si jamais il y a eu un problème. Et ce sera... En fait, on va limiter le... On va faire ça à vue de nez comme en cuisine, quoi. C'est ça l'idée. Donc tu serais OK avec ça ou pas? Je vois pas bien sur ce que je disais, tu fais comme tu veux, c'est ta popote. Hein. Donc du coup, depuis le salon, tu la sens comment la cuisine? C'est ça que je te demande. Alors, je pense que c'est mieux, après faut voir si ce sera suffisant, s'il faudra rajouter des trucs ou quoi. Donc tu te sens à l'aise avec cet équilibrage, ça paraît déjà un peu plus intéressant. Après, j'ai pensé aussi à dans le petit résumé, tu vois, de mettre par exemple que dans l'idéal, un paladin ne devrait pas excéder tant de dégâts. Dans ses flats, hein, je parle, hein, dans ses stats-là, hein, pas dans ses spells. Par exemple, si dans les spells on trouve que voilà, il faut qu'il aille. Parce que c'est son spell qu'il peut utiliser qu'une seule fois par combat, il peut se lâcher une fois, tu vois, à la rigueur. Mais tu vois, par exemple, dans les stats, on va mettre quand même une espèce de petite limite. Genre, préférable que cette classe-là, enfin les héros de cette classe-là, ne dépassent pas ou ne vont pas en dessous d'eux, tu vois. Histoire qu'on essaye quand même de garder quand même un peu l'idée de la classe bien présente. Parce que en même temps, les classes vont être vraiment là pour aiguillonner directement sur la carte, pour le joueur, pour se dire, ok, donc ça c'est un paladin, donc c'est un tank. Ou au moins il va faire des dégâts, mais il peut quand même prendre pas mal de dégâts dans la gueule, tu vois. Directement, tu vois, ça peut aider à transmettre l'information directement. Attention, ce héros-là, si jamais tu veux vraiment un héros à dégâts, peut-être va voir une autre classe, tu vois. Ce genre de choses. Parce que les joueurs, ils tiennent vachement en fait à leur Sainte Trinité quand il est question d'équilibrage et tout ça. C'est-à-dire healer, dégâts, paladin, enfin tank, tu vois. J'ai un problème avec les paladins, moi. Donc c'est ça en fait dans l'idéal. Et du coup, si jamais on reprend. Tac, 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 les repoules. Eh oui. Là par exemple, on peut reprendre le cas de Argesh, le fracasseur, qui a le spell bagarre de taverne, moi qui me fait hurler de rire. Sachant que si jamais derrière tu le mets avec un autre, là avec un. C'est un paire de douleurs, je crois. En gros, tous les dégâts en fait se transforment en soins. Pour les spells de guilde. Donc, en gros, il soigne tout le monde en foutant des baffes. Moi, je trouvais ça rigolo comme combo. Bref. Ah non, ça c'est quelqu'un. Voilà. Donc, là par exemple, là c'est assez clair pour le cas d'Argège, tu vois. C'est toujours attaquer deux fois la cible au début du combat, tu vois. Donc, du coup, il va faire 16 PV en moins au truc. Ça, c'était dans l'ancien truc, hein. C'est pas encore changé, mais dans l'idée. Et après, tour, la cible est obligée de cibler Argèche. Bah, tu vois, du coup, en fait, ce qui pourrait changer chez Argèche, dans son cas précis à lui, ça va être l'attaque et les PV. Pour le rééquilibrer, tu vois. Il fait partie de la zone guerrier, donc il sera vraiment. Il pourra prendre des points dans la gueule. Je regardais le guerrier de douleur, sa compétence de guide. Tous les dégâts subis sont considérés comme des soins. Oui, tous les dégâts qu'il subit. Ouais, frappe de frappe. Mais il peut subir des dégâts quand il a la guilde. Bah, si par exemple, tu vois, tu le mets avec Argesh le fracasseur, par exemple. Tu vois? Mais du coup, il est pas en guide s'il est dans le terrain. Non? Bah là, il est en guide. Et là, c'est dans. Ah, genre, si tu le mets avec une bagarre de taverne, il peut se Ouais. prendre des dégâts. Ok. Il y a ça, et puis il y a aussi un autre truc, c'est que Kalkriès, en fait, c'est un des remparts, si tu veux, à d'autres héros que je voulais, qui étaient. Bah tiens, Salazar. Concurrence compromise, vous infligez 3 points de dégâts à un héros dans la guilde adverse. C'est un assassin. Tu peux faire ça quand, du coup, en En guilde. fait? Une fois. Parce qu'en gros, genre, tu vois, leur compétence de guilde, tu peux l'utiliser qu'une seule fois par tour, en fait. Par tour hors combat, hein, je parle. Quand c'est ton Une tour de fois jouer. par tour. Ouais. Ah. Je
Donc si jamais tu n'as qu'un Calcriès par exemple qui lui reste que 4 PV, si jamais en face le mec il utilise Salazar, il est un peu con parce que du coup en fait il va juste te soigner, tu vois. Parce que j'ai pensé derrière à d'autres cartes événements, par exemple. T'as une carte en fait événement qui s'appelle Putain, je l'avais appelé comment déjà? Ah oui, tour de garde de la guilde. Où en gros tu sélectionnes un héros et en fait si jamais les héros de guilde doivent subir des dégâts, c'est lui qui va tout subir dans la gueule en fait, à la place des autres. Donc ça fait un très bon combo avec Akriess, tu vois. C'est ce genre de truc en fait. J'essaye de penser entre-temps avec les cartes event et les cartes équipement qui vont arriver en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que du coup comme ça en fait, ça me permet aussi de voir des combos possibles et tout, tu vois, je vais essayer, tu vois, que ce soit pas trop lisse non plus. Qui est vraiment une espèce de ah putain, si jamais j'ai cette carte là, ça va être stylé. Donc du coup, ça peut faire construire une stratégie, tu vois, ça peut donner une largesse en fait aux joueurs pour justement, tu vois, les aider à build up un truc qui leur est propre, tu vois. Oh, je croyais que les compétences de guide c'était que des passifs. Je n'avais pas vu ça. Non, j'ai fait aussi des compétences de guilde actifs. Genre, tu peux très bien décider de les. Voilà, tu vois, c'est. Il y en a, en fait, tu vas les faire automatiquement parce que c'est tout bénef, pourquoi s'en priver? Il y en a d'autres, honnêtement, ça peut être un peu plus strat, un peu plus en mode. Tiens, c'est peut-être le moment où je mets des bâtons dans les roues dans l'autre guilde ou, tu vois, ce genre de choses, quoi. Ou genre, non, là, j'en ai besoin que sa compétence de guilde s'active parce que j'en ai. Je l'ai gardé, je sais pas, tu vois, peut-être qu'il y aura des cooldowns dessus pour certains, tu vois, il y a ce genre de truc-là, tu vois ce que je veux dire? Mais parce que, du coup, avec ce nouveau système-là, il va falloir que je revoie tous les héros qu'on a fait. Encore heureux, c'est pas tout le catalogue qu'il y avait prévu de base, mais voilà, c'est pour te dire. Et en gros, je vais les faire petit à petit. Tout ça pour qu'ils soient un peu plus en raccord en fait avec ce qu'on est en train de faire, quoi. Et à côté, en gros, je suis en train d'essayer, tu vois, de rebosser un peu ce que j'imaginais pour les cartes event et items. J'essaye de voir en fait. Là, pour l'instant, je suis en train d'imaginer pas mal de concepts. Pour après les compter, pour voir combien il. Parce que tu sais, on avait déjà fait une espèce de petit prévisionnel de combien de cartes devrait comporter le jeu, tu vois. En termes de chaque deck et tout ça, en fait, ce qui sera. Voilà. Donc on avait dit à peu près 75, tu vois, ou 60, ça dépend des longueurs de partie, mais généralement c'est 75 qui revient le plus. Et bah dans les 75, tu vois, il faut quand même que tu vois, je reste dans un thème, il faut quand même que tu vois que j'y aille pas trop loin. On peut faire des cartes qui font que elles sont assez redondantes parce que voilà, il y aura certaines cartes qui seront. Par exemple, juste la carte vous rencontrez des monstres et donc du coup il faut que tu pioches autant de monstres que pour remplir le board, tu vois, dans la mesure des règles. Et ça par contre, tu vois, genre on est obligé d'en avoir plusieurs exemplaires dans le paquet. Tu veux pas en mettre qu'un seul, sinon c'est pas intéressant. Tu vois, il y a certains trucs comme ça, et il y en a d'autres, tu vois, qui sont un peu plus rares. Sauf que, même les doubles, en fait, il faut les compter comme si, tu vois, c'était une carte à part entière, tu vois, dans le paquet, dans l'idée. Pour qu'en gros, le jeu soit fluide, qu'il n'y ait pas des cartes qui tombent jamais, mais genre, jamais, jamais. Et il y en a d'autres où, voilà, du coup, tu peux essayer à peu près de prévoir à quoi une partie peut ressembler au bout de la troisième, tu vois. Te dire, attends, bon, là, ça va faire je sais pas combien de tours que j'ai pas pioché cette carte-là. Ouais, là c'est risqué, il faudra peut-être que voilà, je me mette à soigner mes héros tout de suite, avant même d'entrer en combat. Tu vois, tout ce genre de truc. Sinon après ils vont s'en prendre plein la gueule et je risque d'en perdre un, ou des conneries comme ça, quoi. Pour que ce soit un peu plus fun, tu vois, qu'il y ait une espèce de reward aussi pour le joueur de se dire, ah, je commence à maîtriser le jeu parce que j'arrive déjà un petit peu à compter les cartes, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Non, mais oui, bien sûr. En gros, je suis parti sur ce système-là. C'est vraiment. En gros, pour l'instant, je vais voir. Je vais essayer de relever les. Enfin, ce que je trouve le must-have.
En gros, je vais repartir sur le principe, là, comme on avait vu sur le Gamasutra, là, il faut absolument, ce serait bien, et ça, ce serait dans le meilleur des cas, si possible, si franchement ça fait pas chier, tu vois. Alors, ce genre d'échelle-là de valeur, et bon, il y en a une carte. En gros, si tu veux, moi, ce que j'ai décidé, c'est que après avoir fait les héros, là, c'est là où ça va être très, 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 très drôle. C'est qu'après, une fois qu'on aura bien défini leurs stats et tout le bordel, et ce qu'ils peuvent infliger, on va dire en moyenne, qu'un groupe de héros de 4 par exemple peut infliger en moyenne, là j'ai commencé à faire les stats des monstres. Pardon, des monstres. Et vu qu'on a des demi-boss, donc des monstres qui font un peu plus mal que les autres, quoi, en temps normal, ils sont plus rares, bien évidemment, et bah, il faudra que je décide à ce moment-là, est-ce que je les laisse rentrer dans la game? En mode genre non ça bloque pas dans le style où genre bah tu sais quand tu tombes sur la carte événement du genre vous vous faites attaquer, piochez autant de cartes monstres pour remplir les tu vois les quatre adversaires devant vous quoi. Bah imaginons genre tu vois tu pioches deux trucs lambda on va dire deux gobelins à la con et après en fait tu pioches un demi-boss. Est-ce que je pars du principe que en piochant un demi-boss il faut quoi qu'il arrive faut que tu arrêtes de piocher des monstres. En gros il peut pas avoir d'autres monstres qui viennent avec lui après lui mais avant lui c'est possible. Comme ça, du coup, ça peut rester équilibré pour le combat, pour les héros. Ou juste, j'y vais en mode genre, bah, sucks to be you, genre, si jamais dans le pire de toutes les malchances, tu pioches les 4 demi-boss, bah là, c'est juste une annihilation totale qui t'attend, tu vois, c'est un peu chiant. Donc, du coup, faut que je pense aussi à ça. Ouais, de toute façon, les demi-boss, c'est des cartes spéciales, non? Oui, c'est des cartes spéciales, oui. Tu les pioches pas en tant que monstre. Ah, on pourrait très bien partir du principe qu'on peut les piocher en tant que monstre hein, en vrai. Hein. Moi je verrais Ah, pas le du coup, problème. tu te retrouves dans ce cas-là, quoi. Ouais, tu vois, c'est ça aussi le truc. Ce qui est pas passionnant, en vrai, parce que ça t'arrive, t'as juste envie d'arrêter de jouer, quoi. Enfin, Après, je pense, hein. non mais ça t'arrive parce que dans le concept, genre on est en train d'imaginer tous les deux des trucs à la Dark Souls. Non, si ça se trouve c'est des demi-boss, ça va, c'est gentil, tu vois. En fait, quand on va voir dans l'équilibrage à la fin, tu vois, ou quoi. Parce que moi, je t'avouerais que des fois. Toi qui disais que tu voulais que le jeu il soit quand même un peu viscéral, quoi. Si les demi-boss ils sont en carton, Oui, ça va non, pas non. être Alors passionnant, après, quoi. il y a viscéral et viscéral, tu vois. Je n'imagine pas non plus en mode. Au moindre faux move, tu te fais annihiler la tronche totale et t'as perdu, tu vois. Après, c'est vrai que des fois, en fait, on sent. Enfin, moi, en tout cas, je le vois hein, souvent. Quand je fais des jeux, c'est que des fois je donne des stats à certains monstres parce que je les trouve ah ouais non là je trouve que il va taper fort et tout il va emmerder tout le monde. Et en fait je vois qu'en fait il est complètement en carton, il se fait rincer la gueule en 2-2. Et t'es là en mode genre ah ouais ouais bah non en fait parce que c'est vrai que j'avais oublié que des fois bah, en fait il y a un nombre en face, il y a plusieurs joueurs et donc en fait il se fout sur la gueule avec. Bah, 4 joueurs ou tu vois, plus. Donc oui, ces stats ont l'air monstrueux en 1v1 avec d'autres monstres, mais en face de joueurs, c'est une brise de vent matinale dans un doux été, quoi. Il fait R. Ça arrive, ça c'est pas bon. Ouais, c'est pas bon. Parce que nous, notre idée, c'est pas d'avoir un môme qui se cosplaye en monstre à Halloween et qui va essayer de se taper contre des vétérans de l'armée. Nous, on veut que ce soit le vétéran de l'armée qui vient taper les gosses qui s'habillent en monstre à Halloween. Tu vois, c'est ça l'idée aussi. Donc, bon. C'est Et peut-être un du mauvais coup, exemple, dans mais. cette idée-là, si tu pioches en random après trois monstres qui sont déjà vénères, Ouais, c'est ça le tu truc. tires la tronche, en Ouais. fait. Tu tires la tronche parce que t'as juste pas eu de bol et ton équipe elle est morte. C'est ça, donc c'est pour ça Parce qu'en que t'as gros. tiré un demi-boss Et c'est pour ça en qu'en random, gros, quoi. c'est ce que je disais, je voudrais déjà voir comment ça se passe au niveau d'équilibrage des demi-boss avant de prendre vraiment une décision là-dessus. Parce que si oui, j'arrive à faire des demi-boss quand même qui. Quand tu tombes dessus, c'est. Ouais, va falloir que je fasse gaffe cette fois-là. Bah là, à ce compte-là, non, je fais qu'en gros, c'est soit que des spéciaux. C'est-à-dire qu'il faut piocher la carte event où en gros, il se réveille, tu vois. Et que tu peux pas juste les croiser comme ça en mode random. Parce que sinon, voilà, comme tu disais si bien, bah le mec il tombe là-dessus, bah il a mal au cul et il désinstalle.
il va sur son bureau, il faut c'est non, il le met dans la corbeille, c'est fini. Voilà. Donc oui, à ce compte-là, oui, mais il faut encore voir déjà les stats qu'on va leur donner au demi-boss. C'est comme les monstres, hein. C'est les monstres, il faudra aussi que je... Voilà. Soit on les fait flat, par exemple comme dans le cas qu'on avait fait de la proto-maquette, là, des gobelins, où en gros ils avaient juste des points d'attaque et des points de... et des PV, et c'était marre, c'est tout ce qu'ils avaient, hein. Bah, soit on leur... pour certains, ce que je pensais, pour certains par exemple, qu'ils aient, bah, en fait, une capacité, mais généralement ce sera du passif, du genre, bah, en gros, à chaque fois que cette unité attaque une unité, bah, elle lui inflige saignement, ou des trucs comme ça, tu vois. Ce sera jamais pas trop compliqué, tu vois, ce sera pas en mode comme pour les héros où en gros, tu vois, tu peux décider vraiment parce qu'il a plusieurs spells, machin et tout ça. Non, non, les monstres auront toujours, au pire, ils auront un spell. Ils en auront pas trois, tu vois, ils en auront pas deux, comme les héros. Ils en auront qu'un seul et puis c'est marre. Qu'est-ce que t'en penses? Moi les mobs je voyais ça vraiment en flat donc... Ouais, on peut partir en flat. Après, je pense que c'est aussi marrant de mettre un petit saignement, une petite, tu vois, alors, un petit truc, tu vois, qui fait que... Je pense qu'il y aura des changements de statut. Hein, ouais, c'est ça. C'est ça aussi qui est... qu'il faudrait voir, mais bon... Enfin bref. Donc voilà, ce serait le système de d'équilibrage qui se passerait en fait. Donc voilà. Qu'en penses-tu? Il me semble déjà plus intéressant. Alors, comme j'avais dit du coup au début du stream, je m'étais inspiré en fait des JDR. Vu que c'était en fait la base de cet univers-là, en fait ça vient d'un JDR, donc autant y aller à fond. Et il y a aussi le fait que j'ai commencé en fait, si tu veux, en jouant, tu vois, par exemple à Solasta, comme je te disais, que d'ailleurs j'ai fini, hein. Bah, du coup, j'ai repensé à la classe d'armure, tu vois. Et puis là, je me suis dit, putain, en vrai, ça serait peut-être pas mal de réintroduire cet esprit-là. Pas que le joueur va le voir, tu vois, mais au moins dans ma tête pour l'équilibrage, tu vois. J'y pensais et tout, je me disais, merde. C'est vrai que l'ancien système était un petit peu trop simpliste et posait un problème, en fait. Parce que, déjà vu qu'en fait, en gros, les héros n'avaient pas seulement des points d'attaque et des points des PV. Ils avaient aussi des capacités derrière, donc il fallait que je trouve un moyen, tu vois, que... Voilà. Et après, j'ai repensé à tous les monstres, tu vois, qu'il y a, par exemple, dans Magic, dans Pokémon, tu vois, oui, parce que, bon, on a tous été jeunes, hein. Moi, j'ai joué à Pokémon quand j'étais à l'école primaire, hein. Désolé, pas désolé. Et... Pardon, j'ai éternué. Et donc, du coup, après, je me suis rendu compte d'un truc, dans certains jeux de cartes à jouer, c'est souvent des fois des évolutions, tu vois, par exemple dans Pokémon, ouais, tu fais évoluer ton petit monstre, dans Magic, c'est plus, bah en fait, il est comme ça, c'est pas autrement, et en fait, c'est des fois des synergies, parce qu'il y a aussi cette histoire de faire des marées de monstres dans certains decks, et du coup, je me suis posé la question de, bon, déjà, on a des équipements qu'on peut leur attacher aux monstres. Enfin, à nos héros. Donc déjà, il y a ça qui va permettre aussi, tu vois, d'améliorer, faire une espèce de semi-évolution du héros en question. Et il y a aussi cette histoire de... bah, vu qu'on a enlevé l'histoire de leveling, genre, tu vois, qui passe du niveau 1, niveau 2, niveau 3, parce que la pertinence, et puis aussi au niveau de l'équilibrage, ça allait être un peu plus compliqué. Et aussi parce qu'en fait, à l'époque, on avait une vision encore un peu plus simple de ce que à quoi allait peut-être ressembler une carte héros. Donc là, bah, je me suis dit qu'au final, il fallait que je remette cette histoire de classe
Ce sera peut-être plus simple en fait à pouvoir équilibrer. Il faut que je le prenne vraiment en compte et que ce soit pas juste un espèce d'élément du lore qui me pointe une direction dans les spells ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc voilà. Donc c'est ça que je voulais présenter aujourd'hui. Donc tout ça pour ça. Donc du coup, la semaine prochaine, genre mercredi, je vais utiliser en fait le template que j'aurais écrit là hors stream. Donc normalement il est prêt lundi. Avec tous les bases et tout ça. Et en fait, dès mercredi, en gros, on va réécrire les héros. En utilisant ce template-là. Et puis on va continuer à écrire d'autres héros par la suite. Pourquoi tu n'écris pas le template en stream? En effet, je pourrais. Je pourrais commencer directement. En le montrant en stream, en effet. Parce que du coup, ouais, il va falloir que je passe. En gros, si jamais on avait fait. Alors, je crois que c'était dans la hero pool. Voilà, dans l'aéropool, normalement, il y a toutes les. Il y a tous les trucs. Hop, alors. On va compter ensemble vite fait. Parce que à chaque fois, j'oublie le nombre. Donc, du coup, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Parce que les mages élémentaires, en fait, c'est toute la même famille. 15 et 16. En gros, il y a 16 classes. Ouais, il y a peut-être moins de 16 classes. En fait, j'ai été peut-être un peu trop. Ouais, parce qu'en fait, les barbares, en gros, je les ai renommés en guerriers. Parce que pour moi, les barbares et les guerriers, ça va être la même merde dans le jeu. En termes d'équilibrage. Donc, du coup, il n'y en a pas 16. Y en a peut-être 15. Voilà, même moins, en fait. Parce que du coup, ouais, il y a ça. Ouais, enfin, bref. Il y en a, du coup, 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y en a 11. 11 classes. Ce qui est déjà pas mal, non? Ouais, il y a. Parce qu'en fait, en vrai, ça représente déjà un petit défi de pouvoir le faire correctement déjà, en fait. Du coup, tiens, on va le marquer directement, comme ça j'oublie pas. Guerrier, donc dans les guerriers, je mets les barbares. Les. Tac. Après, on a les rôdeurs. Redélu que j'avais déjà marqué, idiot, idiot, idiot. Après, on a tout ce qui est voleur. De quoi? T'as dit un truc? Pas du tout. Ah bon, j'ai cru. Ça devait être la musique alors. Oui, bon, bah, roublard. Bref, tous les petits cacas. Tac tac. Après les petits caca, on avait les prêtres. Donc en vrai, dans les prêtres, il y a aussi tout ce qui est lumière, noir. Tac tac tac. Et on va mettre aussi les druides. Ouais, ma petite peau de merde. Druide, chaman, enfin bref, tous ceux qui font de la prêtrise quoi.
Et après on a les mages. Donc dans les mages, on a les mages du chaos. Mages organiques. Les mages élémentaires. Ok, et après on a les invocateurs et les nécromanciens. Voilà, donc. Donc du coup, si jamais je pars sur ce template light, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sachant qu'en fait il y a plus de sous-groupes dans ceux-là, mais vraiment c'est ça. Je crois qu'il n'y en a vraiment que 7 en fait. Parce que d'archétype, on va dire, ce qui nous intéresse vraiment dans la substantielle moelle pour faire les équilibrages dans les bases et tout, ce serait ça. Ouais, c'est ça. Hein. Je vois pas d'autre. Hein. Et en vrai, les paladins, on peut les mettre dans les guerriers, mais je les mets un peu à part parce que, enfin, je les vois vraiment plus tanky que le guerrier lambda, en fait. Mais en vrai, on peut carrément les mettre dedans, quoi. Tu vois, c'est paf, tu vois. Parce que en vrai, ce qui nous intéresse, c'est vraiment plus la base de chez base, quoi. Donc, pour pouvoir faire ça. Donc du coup au final il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Tranquille à l'ouest. Parce qu'en fait dans leur équipement de base, vu qu'il n'y a pas vraiment grand chose qui va changer, hein, généralement ils ont tous les. Là dans les groupes, t'as vraiment la même type de classe d'armure, les armes et les armures qui vont coïncider. Donc honnêtement, allons-y quoi. Hein. Voilà hein. Non? Merci. J'imagine. Plus de ça, en plus, avec ce système-là là, de 6 classes, je serais peut-être. Disons que ça va être. On va aller plus à l'essentiel, vraiment. C'est au niveau de la classe et tout ça. Parce que. Là, pour certains héros, si on les pense, on va dire justement plus de dégâts en termes de guerrier, ben on saura que sa classe d'armure, enfin son armure, pardon, ici, vu que par exemple, là, le barbare, il va pas être avec la plate du paladin, ben déjà, tu vois, il va pas avoir 10 en armure là, dans son bonus d'armure, pour l'équilibrage, hein, parce qu'évidemment, encore une fois, les joueurs ne verront pas ça. Ben, tu vois, on aura une justification de pourquoi il a moins de points de vie à la fin. Que son copain à côté dans son armure rutilante quoi. Ça aura du sens. Et comme ça aussi, ça pourra aussi nous permettre de savoir directement quand on fera des tableaux ou quoi, de savoir combien, si jamais il y a trop de guerriers par rapport au ratio qu'il y a de rôdeurs et de voleurs, par exemple, tu vois. Ça peut grave nous aider au final. Je pense que ce sera beaucoup plus profitable comme ça, en vrai. Si on part de cet avis-là. Bah voilà. Voilà. Parce que du coup, tu sais que j'avais aussi re-regardé les proto-maquettes. Tu sais, histoire de pas perdre trop non plus le focus de ce qu'on voudrait faire à la base, tu vois. Parce que bon, tu me connais, hein, si tu me laisses aller, je vais trop loin. Et après, c'est difficile de me rattraper et de me dire, attends, reviens à la maison. Donc, du coup, ouais. Du coup, j'ai essayé de re-regarder les proto-maquettes, voir ce qu'on avait fait avant, l'idée qu'on voulait mettre en place. Et je crois que même avec ce système-là, du coup, ça nous donne un peu plus de largesse par rapport au truc de aux capacités.
C'est-à-dire? Parce que en fait avec l'ancien système, si tu veux, des fois, avec quand on tombait par exemple dans l'exemple d'un mage par rapport à un paladin, j'avais une tendance, tu vois, à toujours aller dans le puissant pour faire baisser ces points-là, ces 30 points de base, pour que ça colle un peu plus au fait que bah il est vraiment utile au niveau de ses capacités de guild, pardon, ses capacités de combat, que par ses stats flat en fait, en tant que terme de PV et tout ça. Donc du coup, bah soit je les surdopais et en fait au final on se rendait compte que même en les surdopant, en leur donnant que des trucs de type puissant, bah, en fait les stats en elles-mêmes, enfin les stats, les capacités en elles-mêmes au final ça c'était pas foufou en termes de strats, ça donnait pas vraiment un truc de ouf en termes de terme du concept de perso et tout ça, en fait on s'en foutait un peu, au final ça devenait un peu trop bleh. Alors qu'avec ce système là où tu vois, tu pars directement de base classe et armes, bah du coup tu peux y aller quoi. Tu peux y aller. Du coup on peut faire du cas par cas, vraiment en mode genre ah bah tiens, là, ce héros là, il est un poil trop inutile en fait. Tu vois, ou il est à l'inverse un peu trop S-tier. Ah, peut-être essayer de le baisser un peu parce que en fait c'est pas qu'il fait tâche dans le paysage, mais c'est qu'il rend tous les autres héros limite obsolètes quoi. Les héros de sa classe on va dire. Tu vois. Yes. Et du coup même faire des héros où il y a peut-être des possibilités de combo à faire avec d'autres héros et tout. Je pense que c'est ça aussi que j'aimerais bien tu vois, donner vraiment une possibilité de combo aux joueurs, de vraiment peut-être aller chercher peut-être une team qui inflige plus de dégâts dans l'instant, ou des mecs qui vont essayer de lécher les os des cadavres de leurs ennemis justement pour les tuer à petit feu, des conneries comme ça, tu vois, c'est un mauvais exemple, mais voilà, tu m'en disons que c'est vraiment avec l'idée de j'ai envie de faire une partie avec ce genre de type de gameplay, tu vois, ou tester ce combo-là, tu vois. Donc c'est pour ça que bon bah pourquoi pas être un peu plus foufou sur certains trucs, tu vois. Quitte à recommencer derrière le héros, mais au moins on teste en maquette et tout, ça peut être sympa. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Bah, très bien, c'est déjà pas mal. Et je sais que ça a l'air très simple pour peut-être pour ceux qui pourraient revoir le replay ou quoi. En vrai, bah pas tellement. Parce que en vrai, j'étais tellement pas dans l'optique, tiens, je suis en train de faire un JDR, donc du coup je vais récupérer bah, les codes, on va dire, de fabrication de JDR parce que ça marche. Et bah du coup, en gros, il a fallu que je vienne avec un système avec lequel je suis. Bah, je suis sur un jeu où au final c'est mon premier jeu de cartes en vrai. Donc du coup, bah, j'ai aucune idée vraiment. Enfin, je suis pas pratiquant. J'ai pas... T'en avais pas déjà fait? Ah, les holo créatures. Non, mais ça c'était une connerie, c'était autre chose. Non, c'était autre chose. C'était autre chose complètement. Et non, donc du coup, voilà. Du coup, l'exercice était encore très nouveau pour moi. Mais c'est vrai que des fois, revenir à la base, pourquoi pas? Moi, je pense que ça le fait, en fait. Ça, c'est possible. Faudrait juste tester. Mais normalement, mercredi, on fait tout à neuf, tout à plat, tout bien, tout au beau. Puis on fait même un mini-test à la con. On essaie de s'organiser un petit mini-test à la con, là, comme ça, comme une proto-maquette. Et puis hop. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on va pouvoir faire ça. Ouais. Donc voilà. T'avais quelque chose à dire toi sinon, Hula? Non, pas vraiment, non. Ok, très bien. Bon, écoute, moi c'est tout ce que j'avais ce soir. C'est déjà pas mal. Comme ça, du coup, c'est un petit truc. On part sur quelque chose. Et puis,
Mercredi, on monte des trucs. Et on avance, on continue. Volo! Hop. Ah, bon. Bah écoute, je vais mettre une fin à ce stream. Dans quelques secondes. À moins que tu aies un truc à dire avant. Non, j'ai rien à rajouter. Vraiment? D'accord. Du coup, samedi, on n'est pas là. Avec Ulor. Demain, ouais. Pardon? Samedi, demain, on n'est pas là. Oui, samedi, demain. Voilà, le 12, quoi. On n'est pas là. Et du coup, on se retrouve normalement mercredi, sans faute, cette fois. Parce que du coup, on va commencer à essayer d'accélérer, en tout cas dans ma partie. Et comme ça, du coup, on sera bien. Ça va être stylé. Donc voilà. Bah écoute, Ulor, je te dis à demain. Une bonne soirée. Et une bonne soirée. Et tchuss. Tchuss.